À ce peloton de 99 hommes, il manquait ce matin Zigoli et Junkermann, forfait au départ d'Osciers Merlete. Le parcours d'une course cycliste est parfois capricieux, puisque nous reprenions en sens inverse le chemin suivi 48 heures plus tôt lorsqu'allait se jouer l'arrivée à Osciers Merlete. Ainsi, le col de Mans, classé 4e catégorie, était escaladé aujourd'hui en sens inverse et dans un tout autre esprit, l'arrivée étant bien lointaine. Au cœur du peloton, notre caméra est allée poser un œil indiscret sur l'état de santé des invalides. Dianen, qui semble être une véritable publicité ambulante. Gimondi va bien, merci. L'Italien pense à Briancon où l'attendent ses compatriotes. Agostino lui pensait avant Nîmes, son vainqueur. Thévenet n'était pas au mieux, le Ventoux lui enlevait une partie de ses forces. Guimard s'ouvre de tendinite aux deux jambes, fruit d'un mauvais réglage de selle. Van Nîmes, premier grimpeur du Tour, n'a aucun problème, il est vrai qu'il est assez souvent en danseuse. Quant à Ocaña, c'est le point d'interrogation ce matin. Il a passé une très mauvaise nuit, dormi en tout et pour tout 3 heures, et failli abandonner au petit matin, victime d'un point de bronchite. Poulidor discute peut-être de l'état de santé de l'Espagnol avec Eddy Merckx et Van Kloster. Le col de Mans est franchi sans encombre, à petite allure, jusqu'à ce qu'il, juste ce qu'il faut pour admirer l'un des plus beaux paysages d'Europe. Le barrage de Serre-Ponçon et sa retenue d'eau, nous sommes à Savines-le-Lac, à 51 km du départ. Et afin de mieux apprécier ce panorama, les organisateurs, juste après le barrage de Serre-Ponçon, vont faire escalader aux coureurs la côte de Sauze, dans les Hautes-Alpes, classée 4e catégorie. Et là-haut, Van Impe, premier, deuxième Pugens, troisième Abelos, Catio et le peloton dans l'ordre. Aucune avance sensible pour les quatre hommes de tête, qui préfèrent d'ailleurs attendre sagement les premières difficultés. Et c'est encore un peu plus tard un brin de tourisme, avec les célèbres demoiselles coiffées qui vont regarder passer le tour sans pour autant tirer leur chapeau aux valeureux. Le peloton serpente ensuite le long de la vallée de Lubaye, qui nous conduit tout droit vers le col de Vars. Et au fil de l'approche, les grands de la course progressent discrètement vers la tête afin de mieux suivre les opérations et de les contrôler par la suite. C'est déjà Vars. Les premières rampes au train. Et dans ce groupe de tête, les équipiers de Merckx. Il y a De Schoenmaker, il y a Wismans, il y a Van den Bosch, il y a Thévenet qui est là, et puis Merckx bien évidemment, avec Ocaña qui ne quitte pas d'une roue, d'un regard, Zotmel qui semble peiné et qui regarde le braquet d'Ocaña. Le 22 ici. Zotmel avec Ocaña, c'est que Merckx n'est pas très loin. Thévenet est là aussi, et c'est terrible les équipiers de Merckx, à Wismans en tête, qui font le forcing. Première rampe, premier lâché, la bourdette a mal à un genou, il ne peut grimper d'une seule jambe, il sera un peu plus tard forcé à l'abandon. Quant à Guimard et Hésard, ils ont un principe monté à leur main, à leur rythme, et l'on sait depuis quelques jours que ce n'est pas le rythme des purs grimpeurs. Peu importe, puisque Guimard reviendra dans la descente. Ce train imprimé par les équipiers d'Eddy Merckx en tête suffoque les non-grimpeurs, qui demandent grâce à l'arrière. C'est la méthode employée par le Belge pour établir les vraies valeurs du peloton. Restent en tête les meilleurs. Et vous allez voir que Guimard et Hésard n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont pris les premières rampes, je vous le disais, à leurs mains. Ils sont lâchés et ils vont réussir à recoller à ce peloton au prix d'un très joli effort. Mais c'est le moment qu'a choisi Raymond Delisle pour démarrer. Le sommet est à 2 km, Delisle prend ses distances et laisse derrière, à quelques secondes, ceux qui occupaient il y a un instant encore les premières places du groupe du peloton. Zotmelk, Agostino, Van Impe, Martinez, Poulidor, Merckx sont là juste derrière, qui s'observent et se regardent. Au sommet de Vars, au 127e kilomètre et 2109 mètres d'altitude, Delisle possède alors 10 petites secondes d'avance sur une dizaine d'irréductibles. Guimard et Hésard ont réussi à revenir. Delisle passe seul au sommet, 10 secondes d'avance. Alors qu'un peu plus bas, Gimondi va être dans un instant lâché et décroché de ce groupe de tête. Toujours emmené par les équipiers de Merckx. Ocaña est encore là. Poulidor aussi s'accroche. Agostinho, numéro 46. Van Impe, le 32. Et Gimondi qui décroche. Delisle est devant. Encore un groupe de tête. Et de ce groupe de tête, par Agostinho qui démarre au nez et la barbe d'Eddy Merckx qui saute dans sa roue.
Ocaña, qui a du mal à respirer, s'accroche, se dresse et tente de contrer le tandem belgo-portugais. Agostinho Merckx derrière de Lille et la caméra vous le montre, Ocaña qui lutte. Au sommet de Lille est déjà dans la descente depuis 10 secondes lorsque se présentent Merckx et Agostinho, précédant de même 10 secondes, Ocaña, Zoutmelk, Van Imp, Thévenet, Poulidor, Martinez, sans oublier Van den Bosch, Hazard est à 20 secondes, Gimondi à 55 secondes et Guimard alors à 1 minute. Luis Ocaña va entamer une folle descente, une folle poursuite pour rejoindre de Lille, Merckx et Agostinho. Et là, comme dans le bisque, ici, il lève la main pour appeler son directeur sportif. Ocaña a crevé, hurle la radio. Ocaña, la malchance, roule sur la jante arrière. Maurice Demure n'est pas loin. Il lui faut se faufiler à 100 à l'heure dans les lacets pour dépanner son leader. Guimard a rejoint Ocaña. Merckx est toujours devant. Et Merckx entend lui aussi hurler par Giorgio Albani, son directeur sportif. Ocaña a crevé. Alors Merckx a entendu, Merckx n'est pas sourd et pendant qu'Ocaña est dépanné, enfin, il est déjà reparti. Reparti, mais il sera rejoint dans cette descente du col de Var. Merckx part, devinez qui, par le meilleur descendeur actuel du Tour de France, le Français Cyril Guimard, qui a senti là la très bonne occasion. Merckx est encore seul, Guimard ne va pas tarder. Le voici. Et peu avant Guillestre, les deux hommes, l'un en jaune, l'autre en vert, se retrouvent côte à côte pour achever le travail commencé dans l'ascension. 140e kilomètre, Briançon est à 55 km de là, Ocaña, lui, à 50 secondes de retard. Avant le dernier col, l'Isoar, qui cache la descente de l'arrivée vers Briançon, les positions sont les suivantes. Devant, Merckx et Guimard, qui unissent leur ambition à 1-10, César, Ocaña, Van den Bosch, Poulidor, De Lille, Martinez, Van Imp, Zoutmelk, Agostinho, et Gimondi qui est revenu dans la descente. Et la terrible poursuite commence. Guimard Merckx, Merckx Guimard, 1:20 d'avance. Merckx Guimard, 1:30, dit la radio. Ocaña lutte d'abord seul. Van den Bosch, équipier de Merckx, casse le rythme et les relais. Il est là en deuxième position. Ocaña roulera ainsi plusieurs kilomètres sans recevoir d'aide. Ses adversaires se souviennent du coup de Royan lorsqu'il avait uni ses forces à celles de Merckx pour distancer Poulidor et Van Imp et Zoutmelk. 1:35 au bas de l'Isoar. L'écart se stabilise. Agostinho et Martinez aident enfin à l'arrière Luis Ocaña. Et c'est l'escalade du dernier col, redoutable montagne. L'Isoar se présente. Devant, toujours Merckx Guimard, le premier et le troisième du général. Peut-être pour Guimard, l'assurance d'une deuxième place à la cipale et pour Merckx, le jaune, qui s'accroche un peu plus à chaque tour de roue, à son maillot. À 9 km du sommet, Merckx lâche Guimard. Sans démarrer d'ailleurs. Vous allez le voir. Il le lâche au train. Il ne peut aider le Nantais, ni même l'attendre. La meute des poursuivants se rapproche. 1:20, Merckx est renseigné et il veut arriver seul à Briançon. Quelques centaines de mètres en contrebas, Ocaña, Poulidor, Van Imp, Martinez, Agostinho vont rejoindre alors que Merckx est à 1:20 devant le petit Cyril Guimard qui avait présumé de ses forces dans l'ascension. Petit par la taille uniquement. Pour la deuxième fois de la journée de ce groupe emmené par Ocaña qui revient sur Guimard, ici Poulidor avec Van Imp et puis Zoutmelk et Agostinho. Pour la deuxième fois de la journée, Gimondi est lâché et des milliers d'Italiens l'attendent à Briançon. À 1 km du sommet, Merckx impérial mais non souverain aujourd'hui, Ocaña dans l'Isoar lui reprendra en effet 30 secondes. 1:35, c'est l'écart entre Merckx ici au ralenti, c'est un paradoxe, et l'Espagnol qui est revenu de loin et qui va le talonner à 1:05. Regardez les gouttes de sueur qui tombent sur la route. Merckx entraîne un petit développement qu'il relance en se mettant en danseuse. Du grand Merckx. Ocaña est un peu moins facile, peut-être, en danseuse plus souvent que Merckx, les yeux rivés à la route, la quittant un instant pour avoir un maillot jaune un peu plus haut. Et au sommet de l'Isoar, à 2361 mètres, Merckx a 1 minute d'avance.
lorsqu'il franchit la ligne et qu'il prend dans sa poche une casquette pour se protéger pendant la descente et peut-être un journal. Il a une minute d'avance exactement sur Poulidor, Van Nîmes, Pocania, Martinez, Agostino. Guimard est 5 secondes derrière, Gimondi 50 secondes derrière et Hésard 55 secondes à l'arrière. Et c'est la descente, Briançon, c'est juste en bas. Merckx construit sa victoire finale, il lui reste très exactement 23 500 km de course. Il va regarder aussi un peu plus haut, là-bas, entre les arbres, ce qu'il est en train de distancer irrémédiablement aujourd'hui. Mais Merckx n'est pas le seul à descendre très vite. Gimondi, vous vous en souvenez, avait été lâché. Eh bien, Gimondi reviendra sur le groupe Poulidor. Aux portes de Briançon, il a repris 50 secondes dans la dégringolade. À 10 km de l'arrivée, Merckx, lui, a porté son avance du pied de l'Isoard. Il la retrouve après l'Isoard, 1.35. À 5 km, Briançon est en contrebas, 1.30. Ce sera presque l'écart final de l'étape. Et la dernière ascension vers le fort de Briançon, les derniers mètres d'une étape terrible. Premier Merckx, la trotteuse du chrono fait une fois le tour du cadran et court encore pendant 31 secondes. À 1.31 arrive Gimondi qui devance Guimard, Van Nîmes et Poulidor. À 1.34, juste derrière eux ici, alors que Gimondi sprint pour faire plaisir à ses compatriotes. À 1.34, Agostinho. À 1.36, Martinez. À 1.40, Hésard. Et à 1.41, Ocaña. Au classement général, Merckx devance ce soir Ocaña de 4.43. L'Espagnol était encore ce matin à 3.02. Guimard est à 5.32. Gimondi à 7.13. Et Poulidor à 8.20. Ce fut, en conclusion, une belle bataille. Merckx et Ocaña en sortent tous deux grandis, l'un dans la joie, l'autre dans la détresse. Nous serons encore demain au cœur des Alpes pour une nouvelle très grande étape. Ici Jean-Michel Leliot qui vous parlait de Briançon. Merci de votre attention. À vous Paris.